comment on ressort d'un match comme ça? Ça fait plaisir parce que depuis jusqu'à maintenant, depuis le début de la saison, tous les matchs serrés, on les perdait. Déjà il y a la victoire et au-delà de tout ça, on prend 2 points aussi à domicile. C'est important aussi pour les supporters, pour tout le monde, pour nous, parce qu'on avait besoin de gagner ces fins de set qu'on ne gagnait pas jusqu'à maintenant. Et on était dos au mur après 4 défaites, 2-0, on était menés, surtout qu'on a des occasions multiples dans les 2 premiers sets. On va retenir la grosse réaction du groupe qui a réussi à relever la tête et surtout aller chercher ces 2 points qui sont très importants. Oui, c'est vrai que vous auriez pu à un moment tout lâcher. Le doute s'est pas installé. Le doute s'installe toujours. Mais Tonnier, on était à 2-0, on était sur 4 défaites. On n'avait plus le choix, hein. il fallait y aller. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça a tourné à notre faveur après. On n'a pas lâché les points. On va retenir le gros état d'esprit de l'équipe. Il va falloir regarder et j'espère que ça va nous donner une impulsion pour les matchs qui vont arriver parce qu'on a beaucoup de matchs qui arrivent. Bon courage, en tout cas on a assisté à un match magnifique au niveau suspense. Ouais, c'est sûr que là pour les supporters, quand on voit 23-25, 26-28, 27-25, 3-2, pour les supporters il ne peut pas y avoir mieux, donc tant mieux pour le spectacle. Et on va essayer de faire du mieux possible maintenant pour la suite et continuer. Bon courage. Merci.